Eh bien, salut à tous et bienvenue, je suis Linklegis pour vous servir, et j'espère que vous allez bien, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série qui va démarrer, et une toute nouvelle aventure qui n'a jamais eu de précédent sur la chaîne. Nous sommes sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, le dernier sorti, le dernier volet de la série des Shippuden Ultimate, enfin des Ultimate Ninja Storm. Oui, je crée, vas-y. Ça, au moins, y a pas de soucis, vous avez la preuve que je n'ai jamais lancé le jeu. Voilà le... un jeu que j'attendais de faire depuis un petit moment, que j'avais dans ma bibliothèque depuis sa sortie, je vous avoue. Mais que je n'ai pas touché, puisqu'il y avait d'autres jeux à terminer avant cela. Boruto the Machine, Naruto the... Ouais, super. Alors, on a un mode histoire pour commencer, un mode aventure dans ce mode, portal aventure dans le mode ninja, tel qu'il existe après les événements du mode histoire, d'accord. Donc on verra ça une fois qu'on aura terminé l'histoire, collection, donc ça reste comme là, combat en ligne, combat libre, histoire, d'accord, option. Est-ce que... comment de ça, on s'en fout, okay. Je cherche des sous-titres. Oui, voix japonaise, évidemment. Sauvegarde du clip, terminé. Voilà, ça y est, on a fait le tour des options. Du coup, on se lance dans ce Naruto Storm 4. J'espère que cette aventure vous plaira. Faut savoir que, personnellement, je me suis refait les Naruto avant de faire ce jeu-là. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, les actions contextuelles, aussi appelées AC, sont les phases demandant d'appuyer sur des touches. Ah, les QTE. D'accord. Collecter des étoiles, donc ça c'est à chaque fois... Donc ça n'a pas changé des anciens Naruto Storm. Enfin, des Ninja Storm, pardon. Faire les QTE, ça rapporte des étoiles. Plus on a d'étoiles, mieux c'est. Et plus on a... Et une fois qu'on a toutes les étoiles, on a une séquence cachée. Voilà. On est content. Voilà. Du coup, la démo que j'avais fait à l'époque, j'ai l'impression de dire ça il y a 10 ans, non, c'était il y a un mois ou deux peut-être, un truc comme ça, vous avez pas mal plu, et je dois vous dire que moi aussi ça m'avait plu, et donc voilà, aujourd'hui on se lance sur celui-ci, et je vous laisse savourer cette intro. J'ai réussi ma première QTE. Donc Hashirama contre Madara, qu'on avait vu lors de la démo. Développé par CyberConnect 2. Produit par Bandai Namco Entertainment. Ah d'accord, c'est moi qui joue derrière, d'accord, donc je joue Hashirama. Ok, j'avais pas du tout compris. Moi je me fais éclater là, bon. Du coup je lis pas ce qu'ils disent. J'aurais peut-être plutôt lire. Bon, je me fais éclater. Ça, c'est... Ça, on a... Tu bouffes. Voilà.
on rentre dans le vif du sujet. J'ai réussi mon deuxième QTE. Mané, fais-toi bouffer. Alors, détruire Madara. Bon, gagner avec plus de 50% des PV, réussir une action rémanente, obtenir l'épée, détruire l'arme portée par Madara. On va voir, hein, si on réussit tant mieux, si on réussit pas tant pis. Allez, on commence. Bon, allez. Bon, allez, bouf. Alors pour le coup, pour ceux qui suivaient un petit peu sur Twitter, j'avais prévenu que je me remettais à regarder les Naruto Shippuden. J'avais un truc genre 200 épisodes de retard, donc au final je me suis tout refait. Je me suis fait la complète Shippuden. J'ai autant, quand j'ai avant de les re-revoir, je me fais éclater. Avant de m'y remettre... Ah, il m'a dommagé ma tenue, c'est classe ça. Vas-y, reviens. Ah, mais je me fais éclater. Non mais... Du coup, avant de m'y remettre, je vous avoue que j'étais un grand fan de la première génération Naruto. Donc, le Naruto gamin. Aïe. Oui, c'est amusant, donc là je suis en pleine détente, là, ça se voit pas, mais je suis détendu. Et du coup, j'avais adoré la première génération Naruto, et j'avais un petit peu moins accroché sur les Shippuden, j'avoue, j'avais moins accroché au truc. Mais par contre, je me suis donc remis à les regarder, et finalement, bah, j'ai bien accroché. Tiens, aïe, raté. Oula, unié. J'ai touché, j'ai pas touché, je sais pas. De droite. De rond. Alors va falloir que je me remette à faire des QTE, parce que là j'ai plus l'habitude, moi. Je voulais tester ce que ça fait sur toi, ça. Ouais, ça fait pas que du bien, hein. C'est cool, c'est cool. Ah, ça a raté. Ah, il va me refaire pareil. Hop là. Ah, donc ça, voilà. Donc ça, c'était comme dans la démo. Donc ça, c'est le combat qu'on a fait dans la démo, hein. C'est vrai que pour ceux qui l'ont pas regardé, c'est bien là. Allez, tiens. Allez, je te défonce ta tenue, moi. Tu vas finir à poil, mec. Ah, il va me refaire encore. Et du coup, je sais même plus ce que je disais. C'est pas bien grave, ça devait pas être important. Mais du coup, voilà. Du coup, du Naruto, j'espère que ça vous plaira. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait un petit jeu manga. Le dernier était One Piece. Ah, vas-y, refais-nous un petit coup. Allez, on part à gauche cette fois-ci. Oulé ! Dulier ! Allez-y, mes clones ! Oula. Vas-y, on le défonce. Ah, je peux plus attaquer, donc il va se passer un truc. Ah, je l'ai eu un petit peu en retard. Du coup, j'ai pas eu 4 étoiles, mais 3. On essaiera de réussir au moins les scènes secrètes. Ce serait pas mal, je pense. Youpla! Wouhou! Ben, c'est pas le moment de se gratter le nez, hein.
重にすさのう。お互い温まってきた頃だ。Du coup, pour ceux qui n'ont pas forcément regardé l'entièreté de l'anime Naruto Shippuden, ben, je vous conseille de le regarder avant de regarder ça, si vous voulez pas vous spoiler. Clairement. J'ai même pas regardé les objectifs, mais... Dolier ! Aïe ! Tiens ! Non, mais... Voilà, bouffer ta baffe, hein. Donc ça, c'était aussi dans la démo, si jamais vous posez la question. Hadouken. Aïe. J'ai touché? Ah non, c'était... Je pense que j'ai touché, mais il y a eu animation juste derrière. Il est où? À droite. Oh. Oulier. Allez, tiens. Du coup, au final, on se retrouve encore avec un jeu Bandai Namco sur la chaîne. Finalement, il y en a pas mal. Raté. Mais en même temps, j'y peux rien si j'adore leur jeu. Hop là. Oups. Raté. Et tu vas encore... Ouais, il va encore le refaire. Allez. Oh non, il y a un mur. Oh. Je sais pas si j'ai sauté par-dessus ou quoi. Allez, mange. J'arrive, tu vas voir, tu vas bouffer. Parce que tu fais rien. Parce que si tu fais rien, moi j'y vais. Hein. Y a pas de souci. Oulier. Allez, viens ici. Non, là fallait pas. Ah ouais, c'est ça, fallait pas approcher quand il faisait ça. Je me souviens. Allez. Aïe. J'ai touché. Je sais pas si j'ai touché. Allez. On a défoncé une de ses épées. On va essayer de la ramasser. Vite, vite. Yeah. Poule. Allez, qu'est-ce que tu vas me faire? Ah, je pensais qu'il allait lancer une attaque QTE. Ah, vite. J'ai l'air tellement ridicule en faisant ça. Allez. J'ai pas le temps de me protéger. Là j'ai eu le temps. Mon lion, deuxième couche mon gars. Protection. C'est bon. Allez. Allez. Ah non, raté. Quoi, si tu me repousses, c'est que tu vas me faire une attaque QTE, c'est ça? Oh, si tu recules comme ça, c'est... Hou. Ha. Hou ha. Ouhouhou. Ah, j'ai eu que 3. Ah ouais, ça je m'en souviens. Oula. Et... Parapara. Bon, je crois qu'on a eu toutes les étoiles. Et je crois que là, il va falloir martyriser la manette, si je me souviens bien de la démo. Je prépare le bouton. Ça va peut-être s'entendre, là je préviens.
Ouais, c'est ça, faut martyriser la manette. Voilà. Je sais pas si ça s'est entendu, vous me direz. On a eu la scène secrète. Naruto Shippuden, Ultimate Ninja, Storm 4. Naomo, Shinobi wa tadakai tsuzukeru. Onore no shinzuru michi wo ayumu tame ni. Ben voilà, un petit rang A. C'est bien passé. J'imagine qu'il y a le rang S. Double A. Ah, stylé. voyons voir. Résultat détaillé. C multiple. S. S. Ah, c'est les PV qui m'ont... Qui m'ont fait défaut. Et là... Pareil. Ouais, en gros, faut faire un perfect, quoi, pour avoir le rang S. C'est ça. Ok. On va voir les objets obtenus. Qu'est-ce que... Ah, d'accord. Ok, donc ça, oui, c'est les... Ce qu'on a eu en remplissant les objectifs. Qu'est-ce que c'est ? Échanger les contre des objets de collection rares. Les trésors ninja sont des récompenses spéciales qui peuvent être obtenues en gagnant des combats, pendant les combats, et même en tant que récompense de mission. Il existe d'autres moyens d'obtention. Les trésors de ninja... Les trésors de ninja peuvent être échangés contre des objets de collection rares à la boutique générale Bandai, en mode aventure ou en mode collection. Pack de trésors ninja. Les packs de trésors ninja contiennent plusieurs trésors de ninja. Chaque pack de trésors de ninja a son propre rang et contient un exemplaire de chaque trésor de ce rang. Quand vous obtenez... Pardon, quand vous obtenez un pack de trésors de ninja, ce contenu sera automatiquement ajouté à votre inventaire. D'accord. Du coup, là, on a tout réussi, c'est ça ? Ouais. Là aussi... Chaque chapitre d'épisode, non c'est pas chaque épisode, et chapitre de combat. Depuis le storyboard, sélectionnez le chapitre, puis l'épisode auquel vous voulez jouer. De là, vous aurez accès à des événements qui peuvent être soit une séquence animée, soit un combat. Les épisodes possèdent deux routes que vous devez terminer pour réussir le chapitre. Vous pouvez aussi rejouer les chapitres et combats déjà réussis. Les icônes associées aux événements de combat ont les significations suivantes. Alors, un point d'exclamation, on dirait un boss, combat de boss. Les trucs verts, combat libre. Les trucs bleus, combat de horde. Et les trucs violets, combat spectaculaire. Je sais pas ce que c'est. Les combats spectaculaires sont des combats spéciaux qui combinent combat libre et QTE. D'accord, bah j'ai eu ma réponse de ce que c'est. Ah, accomplissez les missions de combat. En mode histoire, certaines conditions de combat doivent être remplies pour gagner des trésors de ninja. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, genre péter l'arme de Madara, etc. Récupérer l'épée, tout ça, tout ça. Ok. Tout comme le résultat du storyboard, le score total, votre meilleur score est enregistré. Quand, là, 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 là. Ok. Nouvel épisode déverrouillé. Vous pouvez maintenant jouer à Aperçu du prochain chapitre. Oh. Temps de jeu estimé 1 minute. Ah d'accord. Eh bien, ah d'accord. J'avais pas bien appuyé. Toki wa susumu. Saredomo tatakai no rensa wa owaru koto naku. Nao mo shiretsu kiwamaru ninkai de 2つ no kage ga michi wo 歩む果たして彼らが目にするもの、そして導き出される新たな道とは。辞書、総決の章。この世界は終わらせる。 Eh bien, c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode, puisque je pense. Voilà, les deux guerriers inégalés. Et vous pouvez derrière le masque. Et Taka prend son envol.
D'accord. Donc on a le chapitre Les deux guerriers inégalés, avec bien évidemment d'un côté, Naruto, de l'autre côté, Sasuke. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on va pas genre se diviser les épisodes en épisodes de jeu? C'est-à-dire que ben, on fera dans le prochain épisode probablement Naruto, la ligne de Naruto, là, les 3-4 missions qu'il y a, et dans l'épisode suivant on fera les 3 missions de Sasuke. Je pense que je vais faire comme ça pour segmenter un petit peu la chose, et puis on a bien vu de toute façon que le jeu nous a dit dans l'épisode suivant. Donc voilà. Du coup, je pense que je vais retourner en arrière pour ce premier... Non, je veux sauvegarder au pire. Comment je peux sauvegarder? Je sais pas. Bon, on va dire que c'est sauvegardé, puis au pire, si c'est pas le cas, c'est assez rapide à refaire, c'est pas bien grave. Mais je voulais voir du coup les... Le mode de collection, là, avec les échanges d'objets ou je sais plus quoi. Alors, collection, fais-moi voir tout ça. Objet de... vous pouvez examiner le que vous avez acquis. Alors, boutique générale Bandai, des bravades, écoutez les bravades utilisées dans le jeu. C'est quoi? Ah, c'est des dialogues, peut-être? Image de la carte ninja, titre, skin de carte ninja, objet permutation, image coup fatal. Bon, boutique, voyons voir. Vous pouvez acheter des objets, placer la carte ninja, la boutique, blabla. Échange de trésors ninja. Ah d'accord, donc c'est... Ah non, ah, il y a des costumes. Ah, je veux. C'est le seul truc que je veux. Oh. Ah, j'en profite, je regarde. Tant pis, ça spoil les personnages, mais bon. Si vous jouez au jeu, c'est que vous avez déjà probablement regardé l'anime et du coup vous connaissez les personnages. Mais du coup, je trouve sympa qu'ils aient mis des tenues genre la fondation de l'Akatsuki. Ah, Itachi avec Itachi qui est un de mes personnages préférés avec Pain et Obito. Ok. Les réincarnés, d'accord. Shio. Gara. Ah, je peux. Oh, je peux acheter Gara au chapeau. D'accord. Onoki, Mei. D'accord, donc ça, c'est tous les Kage, d'accord. Tsushikage, Mizukage. Hanzo. Le troisième. Naruto jeune en pyjama. Trop bien. C'est inutile, donc je veux. Oh, Naruto samouraï. Naruto écolier. Ah, ça, c'est des tenues qu'il y avait dans Ninja Storm 2 ou 3. Je sais plus lequel. Écolière. Kimono. Kimono. Oh, Kakashi écolier. Naruto guerrier. Oh, stylé. Ouais, ça lui fait une tête bizarre, Sasuke, par contre. Sakura guerrière, sympa. Naruto cowboy. Naruto matador. Oh mon dieu. Bavard. Ah mon dieu. C'est inutile, je veux. Ah, celui-là. Ça fait bizarre, mais why not? Ok, eh ben on a fait le tour. Du coup, on a vu. Bon, après, voilà, c'est tout des skins de la carte ninja. Puisque pour ceux qui ne connaissent pas, la carte ninja, en gros. C'est la carte qui représente notre compte en combat en ligne. Et donc on peut la personnaliser, vous voyez, il y a des fonds différents, on peut y mettre des images différentes, des textes différents, etc. etc. Du coup voilà. Eh bien écoutez, nous, c'est là qu'on va s'arrêter pour ce premier épisode. Un peu court, je sais, mais c'est on va dire que c'est voulu. Comme ça on gardera ensuite l'épisode suivant, on partira sur Naruto. L'épisode d'après, Sasuke. Et on verra ça. Et bien du coup dans la suite de nos aventures. J'espère que celle-ci vous plaira et j'espère que vous la suivrez avec un intérêt et envie, tout comme je prends plaisir à la tourner. Dans tous les cas, nous on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure. Mais d'ici là, portez-vous bien et que la funk soit avec vous les amis. Ciao ciao.